Oui, bonjour, mon nom est Mike Romero. On est là pour un autre unboxing, le 42, si je me trompe pas. Oui, ça a été complètement sorti de la tête. Sancho me dit rien. Non, hein? Il y a des rien. Ah, quand il faut s'ouvrir la... on se la ferme, c'est ça? Ben oui, mais c'est parce qu'il n'aime pas les chapeaux. Hein? Ah, parce que tu n'aimes pas le chapeau, ça c'est autre chose. Bon, je voulais garder ce chapeau-là pour tous les unboxings de décembre. J'ai complètement oublié de le mettre pour l'unboxing du swap avec la communauté francophone des unboxeurs. Lien dans la description. Et aussi, du fait même, j'avais filmé la même journée, donc complètement oublié pour l'unboxing de la Super Geek Box que j'attendais tellement. Si vous prêtez attention, j'ai le même chapeau. Donc, maintenant, je me suis rattrapé. En fait, c'est le rouge pour faire « Hey, mon chapeau de Noël !» Mais bon. Maintenant, on est là pour unboxer la Super Geek... la Geek Fuel. Une boîte que j'ai eue gratuitement. Ils m'ont envoyé un email me disant si ça m'intéressait d'ouvrir un unboxing de leur box pour le mois de novembre. Personnellement, je ne me souvenais même pas de licence, mais je me souviens que c'était rien assez pour m'emballer, donc j'avais skip. Mais quand on m'a envoyé le email, on me demandait seulement de leur envoyer 6$ pour le shipping. C'est ce que j'ai fait. Je leur ai envoyé 6$ et j'ai reçu la boîte. Donc, ne me demandez pas quelles sont les licences, car je ne m'en souviens pas. Je serais tenté de dire... Game of Thrones, mais je pense que c'était le mois d'avant, ou c'est ce mois-ci, donc vraiment. Par contre, quand je. J'entends comme un. Jingles, hein, comme une petite clochette. Donc, j'imagine. Qu'il va y avoir des trucs de Noël dedans. Aucune idée. Donc, ne tardons plus. Et on va l'unboxer. Comme à l'habitude, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur avant de le voir moi-même. Voilà. Ah, ben oui, le magazine Geek Fuel, très bon, Gardiens de la Galaxie. Je remontre. Voilà, donc on va mettre ça de côté. Et j'ai vu le t-shirt, on y va. Bender, avec une ville en bas, nous sommes à New York de ce temps-là. Très bien, c'est discret. Du gris sur du gris, donc ça ne sort pas tellement. Mais c'est Bender de Futurama, très bien. Oh, ouais, avec un petit print à l'arrière aussi, Futurama et Geeksville. Donc oui, je pense me souvenir... Futurama, si je me trompe pas, il y avait du Superman ou Batman vs Superman. Quelque chose comme ça. Ça me revient tranquillement. Oh, un verre, une tasse. Oh, petite clochette. C'était l'oreille de la tasse, très dommage. Ouais, pété. C'était Wonder Woman. Dommage. Ouais, très dommage. Bon. Ils auraient pu mettre ça dans une boîte. D'habitude, toutes les tasses que j'ai reçues jusqu'à date venaient dans une boîte. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait. Très dommage. Je vais envoyer une photo. On va voir qu'est-ce que leur service après-vente nous dit. Surtout que moi j'ai payé seulement le shipping. Donc, on verra. Je vous tiens au courant pour ça. Donc, rien de Noël en fait. La clochette, c'était les morceaux de verre de la tasse. Donc, on continue. Ah non, il y a une autre clochette, une autre tasse de pété. Pas fort. Non, vraiment pas. Batman. Une autre tasse de pété.
vraiment pas fort. Donc deux tasses de café. Non, ça marche pas, ça marche pas. Ensuite, nous avons une cassette. Oh, Awesome Mix, volume 1, Guardians of the Galaxy. Mais on dirait des vêtements à l'intérieur. Et c'est des chaussettes Rocket Raccoon. Mix and match, hein? Comment? J'ai trois chaussettes. J'ai trois chaussettes. So they mix and match socks. Get a pair and a spare. You can mix and wear. Donc, mélanger et matcher les chaussettes, vous obtenez une paire et une de rechange. Comme ça, vous pouvez les mixer et les porter. C'est nul! Envoyez-moi deux paires, je vais les inverser. Mais là, je me retrouve avec une chaussette, je fais quoi de l'autre? Mais bon, je suis content. C'est du Guardians of the Galaxy. Donc la chaussette spare, c'est Groot. Très très bien. Donc ça, apparemment, c'est exclusif à Geekville. Ils mettent des chaussettes dans des boîtes, pas les tasses. Je les comprends pas. On continue. Oh, j'ai un pins. Epic Limited Edition Collectible Pins. C'est en fait le petit logo, le petit robot de Geekfuel qui incarne Indiana Jones. On reconnaît. Donc, Temple Edition. Donc ça, c'est pré-temple, on va avec le sac. Post-temple, on va avec l'idole. Donc, oui, très bien, c'est intéressant pour le pins. Par contre, j'ai l'impression qu'ils ont passé plus de temps à travailler une boîte pour les chaussettes et leurs pins qu'à essayer de penser à mettre leurs tasses dans des boîtes. C'est mon avis. On continue. C'est fini? Oh. Dandy, un clip. Ah oui, je vous rappelle, ils mettent toujours un jeu de Steam dans leur boîte. Celui-ci, c'est Dandy or Glips in the Life of Candy Alchemist. Donc, ouais, je connais pas. Mais bon. On continue. Je pense qu'il reste plus que le récap épais. Voilà, donc récapépède et la boîte est vide. Voilà, très déçu. Heureusement que je n'ai pas payé pour la boîte. Donc pour 6$, j'ai un t-shirt, une paire et demie de bas avec un pins et un jeu Steam. Juste le jeu Steam est évalué comme à 10$, si je me trompe pas. Donc oui. Par contre, les tasses, c'est très dommage. On va les écrire, on va voir qu'est-ce que les autres disent. C'est sûr que c'est pas eux autres qui l'ont cassé là-bas, ou presque, mais... La poste n'a pas dû aider non plus. Mais on va voir qu'est-ce que les autres disent, quels sont les moyens qu'ils vont trouver pour me... dédommager, malgré que je n'aille pas payé pour la boîte. Donc... Pire, je renverrai Sancho, hein. Attends, hein? Tu viens de là-bas, là, je sais pas d'où tu viens exactement. D'où est-ce que tu m'as envoyé? Toi, tu connais? Hein? Colorado? Non, il y a une... Toi, t'es plus au sud, Californie, ouais, c'est Californie. Ça? Je t'aurais envoyé péter des jambes. Oui, moi, il y en a un. Non, je rien payé, on va laisser ça comme ça. Ah, je sais que t'es chaud, mais oublie. Non, oublie. Non, t'en as parlé, on va le faire, hein. Ouais, bon, c'est ça, c'est une boîte. Je suis déçu. J'ai l'impression d'avoir eu la moitié d'une boîte. Je me considère chanceux de ne pas l'avoir payé. D'avoir juste payé les 6$ de shipping. Donc, ouais, un t-shirt, des bas, un pin, c'est un jeu. Je ne sais pas trop ce qui arrivera avec.
Mais. Ouais, c'est ça. Donc, la boîte est quand même assez intéressante, même si c'est très magané. Mais. Bon. Personnellement, j'ai juste un t-shirt et ça. Mais vous, je veux vous entendre. Comment réagiriez-vous de recevoir une boîte gratuite et avoir deux tasses à l'intérieur, mais cassées? Je veux le savoir. Dites-moi-le dans les commentaires. Ça m'intéresse. Et comme à l'habitude, si vous avez aimé ce que vous avez regardé, je vous suggère de lâcher un pouce en l'air. Ça va m'aider. Et de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, partagez, pourquoi pas, c'est à votre guise. Et comme à l'habitude, je vous remercie encore d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Ciao!